Bon, du coup, il faut que je prenne Umbral Glaive et du coup, je vais prendre Opportunity et Eclipse, je crois. C'est ça, Umbral Glaive, Opportunity, Eclipse. Il y en a qui font Abyss sinon. Non, qui font le truc avec les dégâts en AoE. Quand est-ce que je peux le prendre? En 4? Je sais pas. J'ai décidé pour l'instant de faire une pause sur le jeu car je ne m'amuse plus pour le moment. Et ça te dit quoi, tu veux que je mette quoi, Axel? Ça te dit quoi, Zoring, de changer de lane? Ou alors de changer de champion? Mais tu sais, tu vas en normal game, genre, juste pour reprendre du plaisir justement en jouant d'autres choses et en apprenant. Yo, j'ai pas suivi, tu lances un fresh tout chale. Salut Flo. Non, c'est pas un fresh, c'est un ancien compte qui était. Donc, en fait, je lance deux comptes en même temps. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien justement tryhard et pouvoir dodge les games injouables comme je viens de faire là juste avant. Du coup, là, je suis sur le deuxième compte. Et du coup, j'aimerais bien monter deux comptes le plus haut elo possible. Avoir un compte vraiment un peu plus tryhard et un compte un peu plus train, mais qui soit quand même haut elo. Je compte beaucoup jouer de toute façon cet été. Et du coup, c'est. Donc, il y a un compte qui était à 500 LP et que j'ai pu jouer dessus. L'autre, il était à 900 et j'ai arrêté de jouer dessus. Donc, c'est pas des fresh. Genre, c'est juste des anciens comptes que je récupère qui sont pas sur LoL Pro. Et donc, il y en a un, il est master à 80 LP là. Et l'autre, il est. Là, il est D3, winrate négatif. Donc, il va falloir se refocus parce que j'ai eu une grosse série de défaites un peu entre guillemets lucky. Merci Florinox pour le follow. Bienvenue. La jungle, j'ai réfléchi tellement que je. Dès que je perds, je prends trop la tête. Bah, après, tu peux te donner comme objectif arrêter de réfléchir. Hein. Moi, il y a un moment, c'était mon objectif. Hein. Après, là, quand tu veux être chalt, tu peux pas. Mais il y a plein de trucs à travailler en jungle. Plaisir de rejouer le petit Kha'Zix. Et nice, ça start bot du coup. Là, genre là, j'ai pas pris l'info du starter, entre guillemets, bon. Pas trop grave. En fait, j'ai remarqué qu'en vrai de vrai, les mécaniques, genre même là, tu vois, quand on regarde le gameplay tout à l'heure, on a regardé une vidéo de quelqu'un qui a review Vel'Jha. Vel'Jha, je sais pas comment on dit. C'est le rank 1 jungle ATM là, qui est main Nidalee. Donc hyper intéressant. Et en fait, tu regardes les trois quarts de ses moves qui passent, c'est parce que mécaniquement, il est largement au-dessus en fait. Il est là, il s'en sort à 5 HP, il flash pixel. C'est magnifique. Donc après, oui, il est bon en macro, évidemment. Mais je pense que l'objectif, se focaliser sur les mécaniques, plus que sur la macro, en solo queue, peut-être plus intéressant. En fait, en macro, faut faire des choses simples, en mode, ok, t'as cette info, tu fais ça, t'as cette info, tu fais ça. Je pense que les mecs qui sont très haut niveau, vu qu'ils sont pros, genre là par exemple, je vois une erreur, j'y vais. Il me dit que c'est ward, c'est parfait. Puis la start bot, pas besoin de mettre ma ward. Un kill bot à faire après. De heal. Tu vois, c'est pareil, genre je me serais dit. Ok, nice. Elle meurt. Là, je pense pas qu'aller chercher le Gromp, ça sert à grand chose. Vaut mieux que je joue le.
Genre là, aller chercher le Gromp, ça ne m'apporte pas un meilleur spike. Ça me delay ma tempo, je pense que c'est mieux que j'aille recycler direct. 2Z, on est bien. Boom. Push top. Faut le poke le bug. Ah ouais? Ah ouais? Oh, ça me pète les couilles. Je perds du temps pour venir t'aider. Tu tues le mec sans me donner l'assist alors que tu peux juste attendre une seconde, j'ai l'assist. En plus j'ai un Dark Harvest. Et d'ailleurs tu viens pas sur l'invade, va te faire foutre. Voilà. J'avais dit mécanique. Pas le droit. Salut mon petit brumeux. Ah oui, il pêche bot sans vision, ouais, voilà, ça c'est cool, par exemple. Ah, du coup, je vais me faire voler mon bot. Beaucoup de flash, ça je suis content. Ça me rappelle tellement l'époque, mon Kha'Zix Dark Harvest. Allez, Naï. Instant. Peut-être la tuer. C'est vrai qu'elle est. T'as abusé mon ref. C'est quoi ça? Ah, il a pris la road H et on a perdu le 2v2. Il a abusé genre. Il a troll son Z. S'il était resté un peu plus longtemps, il serait stun plus longtemps, il aurait pu ulti, on aurait tué les deux. Moi je pouvais pas mieux faire je pense. J'ai même appuyé sur mon E pour faire les dégâts de... Stop. Attention.
ulti. Lulu, je reprends l'aggro de la tour au lieu de me ping. Wesh, le GP il est trop fort. Comment tu vas? Ça va mon grand, ça va et toi? L'adversaire est collé à la tour, il est pas isolé, non. Non c'est chiant les dives avec Kha'Zix. C'est... Ok, enfin faut... Faut pas compter sur l'isolement quoi. Tu feras gaffe, Yasuo! Oh non, mon Q-spell. Oh non. Silo, oh la vache! J'ai en perdu mes yeux! Bon, je pense quand je quand je smurf. Je suis un peu confus là. Je suis un peu confus. Quand je smurf, je pense que c'est peut-être pas ouf Umbral Glaive. J'ai deux ward kills à 13 minutes. Si je go Yumu, je pense qu'ici c'est mieux en termes de spike. Je sais pas. Peut-être pour le late, c'est pas mal Umbral. Peut-être du coup. Peut-être dû faire les grabs parce qu'après j'aurais pas le temps de les faire. Ouais, l'item coûte pas cher. Ouais, mais tu vois, même l'éclipse et tout, c'est pas mal. Tu vois, genre dans Diana, ça se joue, c'est assez close. Le 1v1, si je le joue bien, je peux l'éclater, mais elle peut peut-être me OS, tu vois. Du coup, l'éclipse me permettrait de hardwin le 1v1. Si je joue Umbral, j'ai pas éclipse, quoi. Quand je smurf, je préfère aller chercher mon 1v1. Peut-être éclipse first. Umbral 2. Enfin, pas Umbral, mais. Je
te lire. Hein. Le clear to bot. Eclipse Opportunity Edge of Night, je pense que ça a l'air pas mal. Ah, le shield est vraiment big sur l'Eclipse. J'ai même... Ouais, j'ai de l'ability. Est-ce là, ça donne quoi, ça 15, 50. Ça, 70, 15. C'est vrai que j'ai pas de létalité avec les... Je crois que c'est ce qui est le plus fort en early. Les... Ouais, donc peut-être opportunity first. J'aime trop En vrai, en fait, l'ombral, ça permet aussi de savoir quand tu gank et tout, quand c'est ward. En vrai, c'est quand même pas mal. J'avoue que la létalité, c'est pas mal. Ça donne combien opportunity en l'état? 18, movement speed. Et la Yumu, 8 movement speed. En fait, quand tu joues létalité, il y a tellement de stuff cheaté. Ce que j'ai vu, alors il y a Sally, il joue Hubris. Il y a Honor, non, Honor, du coup il joue le stuff que je viens de faire là, je viens de copier le stuff de Honor. Et le ranking Kha'Zix en Europe, je crois, il joue Hydra, genre. 18 de l'état. Et du coup, le build path de l'Hydra en early, je trouve que c'est de la merde, genre en premier item. Imo. Bah, ça a de la value, mais je sais pas si ça a beaucoup de value quand tu joues en low elo, quoi. Genre là, j'ai... ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Ok. J'aime bien Kha'Zix. J'aime bien. Petit clip. Feedback. Ouais.